je n'essaie pas, les représentants des propriétaires privés, vous êtes les seuls représentants, les élus, Monsieur Toumadre et Monsieur Arnaud, qui sont des ex-élus qui ont participé activement à ce projet, et Monsieur Damien Pessot pour sa collaboration. Et Guy Babu, où il est? Parce qu'on ne voit pas. Tout le temps, tu as raison. Guy Babu, c'est celui que j'appuie, fait partie des petites mains, sans terme péjoratif. Il y a lui et il y a Serge que j'ai invité, mais apparemment son patron ne lui a pas donné congé. Ah, il m'a rien demandé, alors on ne peut pas lui refuser. Donc moi je dis que ce parcours s'est réalisé un petit peu sur le même principe que quand on fait du bon pain. Il faut des ingrédients et un levain. Les ingrédients pour cette réussite, c'était une idée, un territoire. L'idée peut être portée par une personne ou un groupe de personnes. Dans le cas de cette réalisation, le chef de file porteur de cette idée était Yannick. Eh oui, il ne fallait pas parler de toi, mais je le fais. Et l'idée était de réaliser un parcours d'orientation. Comme autre ingrédient indispensable à cette réalisation, il fallait un territoire. Le territoire, vous l'avez sous vos yeux. Le site du plan d'eau, Nadzi. Et puis, pour corser un peu l'affaire, l'idée a germé de créer une autre porte de départ du parcours d'orientation sur un autre site remarquable que nous avons à la Tour, c'est le site de la Stèle. Et le levain de tout ça, c'était la volonté. La volonté de réussir ce projet, mais pour la volonté, nous pouvons faire confiance à Yannick et le noyau dur de ses amis. Contact a donc été pris auprès de la Ligue départementale de la course d'orientation, et plus précisément avec Madame Camaroc, qui d'emblée s'est investi dans ce projet et a mis ses compétences au service de ce projet, tant en ce qui concerne la méthode que pour retravailler les parcours proposés, dont certains empruntent des propriétés privées. Sur les propriétés privées, il a fallu faire des négociations. Une fois que les négociations étaient conclues, il a fallu signer des conventions. Et c'est la raison pour laquelle tous les propriétés privées étaient invitées à cette manifestation. Deux sont là, d'autres se sont excusés. Bon, il y a eu quelques couacs au niveau du balisage, ce qui a été certain moment un vrai casse-tête, je crois, pour vous. Hein. Mais nous en sommes désolés. La seule chose que nous retiendrons, c'est une réalisation qui donne satisfaction à tout le monde. Aux initiateurs qui voient un projet abouti en un peu plus de 3 ans. Aux personnes qui matériellement ont donné la main, car certains connaissent le territoire mieux que quiconque, surtout pour le site de la Stèle. Là, on avait fait appel à Guy Babu et Serge. Ça, c'est des référents indispensables. Aux responsables du développement touristique, car ça permet de proposer une activité qui sort un peu des sentiers battus et que l'on ne retrouve pas ailleurs sur le territoire censé Artense. Et d'ailleurs, à ce titre, nous remercions l'Office de tourisme, représenté par M. Pessot, qui assure la diffusion et la vente des cartes indispensables pour cette activité. D'ailleurs, je crois qu'un bon nombre d'exemplaires se sont vendus cet été. Voilà. Et merci à tous pour votre collaboration. Et évidemment, au bout de la chaîne, il y a la satisfaction de tous les utilisateurs. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, juste quelques chiffres. Le parcours d'orientation, c'est un terrain de jeu de 5 itinéraires et un itinéraire de liaison. C'est environ 30 km, 45 balises. C'est ça. Le coût, 11 066 euros hors taxes. Le financement, il y a FEADER, 1498,17 €. Le CNDS, Centre National pour le Développement du Sport, qui nous a apporté 5 000 €. Et un autofinancement de 4 578,52 €. Voilà. Donc on est à largement plus de 50% d'aide pour cette réalisation. Donc c'était un bon projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Pas plus quelque chose qui contribue à améliorer notre action du territoire. Tout à fait. Donc en être satisfait et toujours tirer dans ce sens. Merci. Moi, je rajouterais qu'il existait une carte de course d'orientation sur la Stèle depuis de nombreuses années, mais joindre la Tour et la Stèle, c'était un projet exceptionnel parce que ça nous permettait de proposer aussi non seulement de la course d'orientation technique, mais d'une randonnée. Donc il y a un parcours de randonnée qui part du village et qui va jusqu'à la Stèle et qui permet aux gens qui ne sont pas spécialement sportifs de découvrir aussi le territoire. Donc c'était une très bonne idée et on est très heureux d'avoir pu vous aider à la réaliser. Eh bien, nous vous remercions beaucoup. Voilà.
Moi, je rajouterais pour les sportifs, dans l'histoire, il faut savoir que notre 12 fois champion du monde Thierry Georgiou, qui est considéré comme le meilleur orienteur du monde, est venu souvent courir ou s'entraîner sur le territoire de la Stèle, sans que vous le sachiez forcément. Donc en fait, il y a du très haut niveau qui est venu et qui ont apprécié depuis les années 2000. On a eu une nationale en 2004, donc on a eu parmi les meilleurs Français. Et je pense qu'ils ont plaisir à revenir chez vous. Comme quoi, c'est un terrain de jeu incomparable. Voilà, exactement. D'associer découverte du territoire et du patrimoine à la pratique sportive, en fait. Et je crois que c'est ce qui peut attirer les jeunes, en particulier, vers la pratique du sport, parce que en même temps qu'on court, on cherche une balise, on cherche une curiosité, et on ne se rend pas compte qu'on fait un effort. Et donc, deux points de départ, donc le plan d'eau et puis la Stèle, qui sont les deux points stratégiques en termes d'activité de pleine nature sur le territoire. Et l'idée, c'était bien de raccorder ces deux points stratégiques. Alors, je crois que pour relier la Stèle à la Tour, on a un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnée. On a une piste équestre. On a des circuits VTT. Et on a, alors c'est peut-être un petit peu à remettre au bout du jour, mais un sentier de marche nordique. Et puis, il nous manquait juste la course d'orientation. Donc, la Stèle, la Tour, on peut le faire aussi en voiture. Mais... limite en voiture, on n'a pas besoin de boussole. Mais c'est quand même intéressant de relier ces deux portes d'entrée au territoire. Et à la pratique des activités de la nature. Et puis c'était aussi ça c'était peut-être pas devancer nos voisins, mais c'était de montrer à nos voisins qu'on avait un vaste terrain de jeu et qu'on pouvait offrir une pratique qui est assez limitée ailleurs, peut-être ailleurs. Bon, voilà, alors encore une fois, heureusement que les privés ont joué le jeu, parce que en gros, sur la carte, toute cette partie-là, c'est des terrains privés. Et puis ça, c'est plutôt du communal. Et puis tout ça, c'est du privé, quoi, en gros. Hein. Donc, sans le partenariat des propriétaires privés, on faisait pas grand-chose. Voilà, mais ça a été long. C'est périlleux, mais bon. C'est bien aujourd'hui que ça soit là. On met également en vente les parcours dans le bureau d'accueil de l'office de tourisme de la Tour. Et donne la possibilité de le commander aussi par internet. Donc bien évidemment, les fiches ne sont pas téléchargeables, hein. On n'a pas mis les fiches en ligne parce que sinon ce serait trop facile, mais on les invite à nous contacter via un formulaire et on les transmettra par la poste sans problème. AMM, ce qu'on appelle AMM, les accompagnateurs moyenne montagne, si jamais on refait un examen ici, ils viendront aussi s'entraîner. Donc c'est intéressant d'avoir des ports d'entrée comme ça où on peut s'exercer. Allez-y. Regardez le poisson. Ah, il était à côté. Il est à côté. Et, oh. Et on le voit à travers. Donc en fait, si on regarde comme ça, en fait, c'est un 4. Non, c'est un 6. Mais bon, normalement, le papier il est moins épais que ça. Là, il est plastiqué. Alors, c'est un peu plus dur pour. Oui, parce que j'ai appuyé fort. Hein, oui. Donc normalement, ce sont des papiers. Là. Oui, ça a marché, mais il est décalé. Ah, on a le coup après. Là, c'est mieux. Ah, il faut faire coller, c'est des petites pointes. Si vous mettez votre doigt en dessous, là, elles se sentent. Là, 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 là.
Voilà, c'est bien marqué là. Oui, là cette fois c'est bien marqué. Et ben dis donc, c'est Gérard, je pense que voilà, c'est l'homme de toutes les situations. Ah oui, alors. Alors normalement, nous, nos parcours, les cartes, elles ne sont pas tout le temps plastifiées. Hein. C'est 51 et c'est le numéro qui est en face. Sans donc on est là, là. Voilà. On est sur le bord. Là. Ouais. Tu te poissonnes le 54, donc tu poissonnes le 6. Voilà. Voilà. Mais alors le poisson, c'est ça. Voilà. Si tu en as loupé une, tu peux bien revenir. Ah, un peu, on fait ce qu'on veut. Oui, oui. On fait ce qu'on veut. Hein. Alors c'est vrai que les randonneurs pour des raisons de sécurité, l'hygiène, ils sortent aussi maintenant des cartes d'hygiène plastiquées, maintenant résistantes à l'eau, donc c'est l'avenir. Hein, voilà. Je pense, hein, c'est... Et nous aussi, au niveau de la Ligue, on a un nouveau papier qui s'appelle le prétexte ou le préac. C'est des papiers indéchirables qui résistent à l'eau. Donc on n'a pas besoin de mettre ça en pochette, dans une pochette plastique. Bon, la plupart du temps, ils ont quand même tout leur matériel. Ils ont la pochette plastique derrière, les glaces d'honneur. Mais quand ça vieillit, les cartes papiers. Oui, la donc, du coup, c'est une bonne idée. Mais nous, moi, j'apprends à l'apprentissage les règles du COP. COP, ça veut dire pliage, carte orientée, pouce. On met le pouce. Donc, si vous avez du plastique, on ne peut pas replier la carte. Donc, en fait, on replie la carte pour enlever des informations. Si vous avez un document énorme comme ça, vous êtes perdu. Alors, la carte hygiène, c'est pareil. On la replie et puis on met le pouce dessus. Oui, c'est un moyen mnémotechnique. Même le pouce, ça permet après de marcher. Et on sait où on était. Et après, suivant votre progression, alors pareil, je prends un peu le temps des limites, je mets une petite flèche sur le pouce pour dire on est là. Et tout à l'heure, on va aller jusque-là. Au fur et à mesure de sa progression, je pousse sur la carte. Oui, de repère. Parce qu'après, plus on court vite où on se déplace, après on ne sait plus où on était dans la carte, donc il faut rechercher. Et en fait, le pouce, ça a mémorisé l'endroit où on était. Quoi. Donc on n'a plus à rechercher. Et c'est un petit moyen d'apprendre. C'est facile à attraper. Pliage, la première chose qu'on fait, donc, c'est le pliage, le repliage de la carte, c'est aussi une astuce. La carte orientée, donc on essaye d'aligner par rapport à des éléments pour que la carte soit correctement orientée. Si vous avez une boussole, vous mettez la boussole dessus et on fait correspondre le nord magnétique avec le nord géographique. Et après, pousse. Donc si vous êtes avec des petits, ben là on est là, donc mets ton pouce où tu es là. Tu vois la maison, on est à l'angle du bâtiment. Tu mets ton pouce, comme ça tu mémorises. Et après, plus on progresse, et ben même les champions ils font pareil. Si je prends une photo de Thierry Georgiou, vous voyez, il a la carte toute repliée, qui est grande comme ça, puis il a son pouce dessus. Et alors maintenant, on a des boussoles qui s'accrochent au pouce, on a des boussoles pouce, ce qui permet d'avoir tout le temps la carte orientée, quoi, de voir si on ne fait pas d'erreur.